originaire de Dunlop, le premier demi-finaliste. On est finalement rendu là. C'est un gars qui va à ESN, il est en 11e année. C'est un adepte du blues rock. Et pour ceux qui étaient accro de la chanson l'an dernier, il faisait partie du groupe Les Monocycles. Oui, vous vous en souvenez? Ses influences musicales sont Steve Hill, Pascal Lejeune et John Boulay. Voici Maxime Boudreau. All right. C'est que là, la tune que je vais vous faire asseoir, c'est Préférant l'inexistence. Ça parle un petit peu de comment c'est dans une société, juste qu'on est tout le temps entouré par les médias sociaux puis la technologie, on peut parfois oublier d'être soi-même. Parce qu'on entend, oublie notre rêve en nous. Laissant les autres guider notre monde, les écoutes qui ont succombé. Guidé par les nouvelles, sautant sur carousel.